Pour acquérir dans la vie une vraie personnalité, chacun recherche à l'envie une particularité. Pour situer un personnage, un détail bien souvent suffit. Regardez dans l'étalage et les tripiers, ils ont compris. Car ce qui rend si beau une tête de veau, c'est le persil dans les narines. Ce qui lui donne cet air à la fois doux et fier, c'est le persil dans les narines. D'où vient son œuvre rêveur et sa grande fraîcheur, c'est le persil dans les narines. Alors ce qu'il nous faut pour être originaux, c'est un vrai persil dans les naseaux. Ce soir à la Madeleine, près d'un vieux chauve tout rasé, une péripatéticienne discutait le prix de la soirée. Il offrait si peu de galettes que soudain elle crie, tu m'assommes. Tu es moche, t'as l'air d'une chouette, d'un singe ou du bébé canum. Car ce qui rend si beau une tête de veau, c'est le persil dans les narines. Ce qui rend si mimi le flic, la porte Saint-Denis, c'est son persil dans les narines. Ce qui donne un dictateur un grand air de fumeur, c'est son plaisir dans les narines. Ce qui donne à Herriot l'allure d'un gigolo, c'est son bain de persil sous les naseaux. Il faut parcourir les rues avec un bouquet de persil, il faut en mettre aux statues qui en laidissent Paris. Qu'on en colle, ce sera bon signe aux fauneux du Luxembourg qui n'ont qu'une feuille de vigne, ça les habillera toujours. Ce qui manque, c'est certain, aux penseurs de Rodin, c'est du persil dans les narines. Ce qui manque aux Vénus, dont on voit le cubitus, c'est du persil dans les narines. Ce qui manque à Sorel pour qu'elle soit fraîche et belle, c'est du persil dans les narines. Ce qui manque à Tino pour chanter ses tangos,